Coucou tout le monde! Alors, me voilà avec une vidéo pour une recette bébé, donc à partir de 6 mois, pas avant. Moi, elle a 8 mois, je lui fais. Et tous les ingrédients, depuis ces 6 mois, elle a eu le droit. Donc maintenant, je peux mélanger un peu tout. Donc, ça va être une recette d'une jardinière de légumes avec du poulet. Donc, le poulet, là, il est ici, je l'ai mixé, il a été cuit. Et il y en a 20 grammes. Ensuite, une pomme de terre de taille normale. Et vous avez une poignée de petits pois surgelés, une poignée de haricots verts surgelés aussi. C'est plus facile pour moi de les garder en prenant surgelés. Et une carotte. Donc, moi, je le fais au baby cook. Vous pouvez le faire cuire dans de l'eau, etc. Enfin, avec plusieurs appareils si vous voulez. Donc pour ceci, je mets dans le baby cook, donc j'ai mis l'eau à l'intérieur, niveau 3. Et ensuite, je mets une carotte. Je mets en fait tous les légumes, tous les ingrédients à l'intérieur. Et je fais chauffer tout ça. Juste attendre que ça s'éteigne. Désolée pour le bruit. Voilà. Il n'y a que la viande que je ne mets pas, parce qu'elle a déjà été cuite séparément. Donc voilà, et ensuite je mets, excusez-moi hein, pour, je tiens la main à la caméra. Voilà, j'ai mis tous mes petits légumes et je mets en route. Quand ce sera cuit, je garde l'eau de cuisson pour mélanger au cas où qu'il y en ait besoin. Et ben, après, si vous préférez mettre du lait, vous pouvez mettre du lait, mais du lait bébé, hein, pas du lait comme nous. Donc voilà, et la viande après, quand on aura mixé pour mélanger avec. Donc je récapitule pour la recette. Vous avez besoin d'une pomme de terre taille normale, de 15 à 20 grammes. Moi j'ai mis 20 grammes de poulet ou de viande comme vous voulez, hein. Ensuite une poignée de haricots verts, une poignée de petits pois, une carotte et ensuite quand vous allez mélanger, je mets une petite noisette de beurre. Et voilà. Et je vous retrouve après quand le petit pot sera fini. Voilà, bisous. Voilà, la cuisson est terminée. Voilà, les légumes sont cuits. J'ai mis une petite noisette de beurre là. Donc j'ai la viande qui est à côté. Je vais déjà mixer la purée. Donc je sais qu'il va falloir que j'ajoute de l'eau parce qu'il y a une pomme de terre. Et c'est des choses qui ne portent pas trop de jus. Donc je vais mélanger. On se retrouve après. Donc voilà, je l'ai mixé. Je regarde juste un goût. Nickel. Alors ça fait une petite texture un petit peu granuleuse. Mais c'est parce que c'est des petits pois en fait qui font ça. Si vous voulez pas que ça fasse vraiment granuleux, passez-les dans une sorte de passoire. Je vais vous montrer un petit peu moi. Comme ma fille ne veut pas. Vous voyez? Une passoire comme ça. Comme un tamis. Voilà. Et vous passez dedans. Et ça va la rendre encore plus lisse si vraiment votre bébé a des petits soucis par rapport à ça. Mais moi, comme j'ai commencé, vous savez, la semoule comme ça, qui est très fine. Pas la semoule comme nous, hein, pas le couscous, mais vraiment la semoule très très fine. Et ben en fait, elle s'habitue maintenant. Donc ensuite, quand vous avez bien mixé tout ça, que vous avez mis votre noisette de beurre, tout ça, on met la viande. Et je remixe pour être sûr vraiment qu'il n'y ait pas de petites boulettes, tout ça. On se retrouve après. Voilà, donc j'ai mélangé avec la viande. Hop. Et maintenant, j'ai plus qu'à mettre dans le petit pot et lui donner ce midi. Je vous filmerai pour vous montrer si elle aime bien. C'est une première pour elle aussi. Allez, bisous. Voilà, j'ai allumé pour vous montrer, voilà. Donc ça vous fait l'équivalent, donc la recette que j'ai bien donnée, hein, ça vous fait pour deux pots de 200 grammes. Donc c'est très raisonnable, c'est très bien. Donc voilà, je vous retrouve après au moment du repas. La jardinière de légumes et son petit poulet. Ouais, et 8 mois aujourd'hui le bébé, hein? Bah oui. T'es bon? Mais bon, oui, c'est bon, hein.